Ce n'est pas moins de 10 organisations syndicales qui se sont rassemblées ce mercredi pour organiser leurs prochaines actions. Les sujets de l'eau, des transports et de l'hôpital sont toujours au cœur des débats. Aujourd'hui, là, en Guadeloupe, nous rendons compte qu'il y a crasé tout ça travailler. Il faut refuser la négociation collective. Si nous n'avons pas de travail, si nous n'avons pas échoué l'école, nous empoisonnons avec Sargasse, nous empoisonnons la chlordécone. Et là, nous avons gardé la société en nous. Nous avons dit, nous, l'UGTG, que c'est un véritable complot que nous monté pour finir de battre avec travailler avec Guadeloupe. Et c'est en ce sens-là que nous, l'UGTG, nous créons la rue le 1er mai pour porter force pour une qualité, pour dénoncer la situation là que nous vivons, situation de mort et de pauvreté organisée avec complicité à les élus et guadeloupéens. Et le 3, nous avons appelé à la grève. À la grève pour justement continuer l'été, continuer nous la lutte. Pour nous changer la société, là, nous vivons là. Nous n'y droit à la vie, et particulièrement si nous n'y droit à la vie. Des mobilisations sont prévues pour le mois prochain, avec un rassemblement devant le CHU le 1er mai et un mouvement de grève le 3 mai devant le palais de la mutualité.